quel joueur a été le meilleur du côté des Bleus, Griezmann ou Mbappé? En tout cas, statistiquement, on va regarder, ce serait plutôt Mbappé, forcément. Mais maintenant, ils n'ont plus tout à fait le même poste. Alors, est-ce que c'est comparable? Mais en tout cas, on vous donne quand même le nombre de sélections. Mbappé a joué un match de moins. Mbappé a marqué 10 buts en cette année 2023 avec l'équipe de France. 6 passes décisives également. Griezmann, c'est 2 et 2. Et puis, évidemment, 8 victoires de chaque côté. Et regardez pourtant les ardoises. Griezmann ou Mbappé, qui était le meilleur bleu en 2023? Et là, c'est un raz-de-marée étonnant ou pas. Griezmann, de mon côté droit. Du côté gauche, Griezmann. Raymond est toujours en train de dire l'eau. Je vous laisse écrire, c'est le suspense, on le vit. Les deux. En plus, il me sort les deux. Et Mbappé pour vous, Romain. Karine Galli, pourquoi vous optez pour Antoine Griezmann alors que les stats de Mbappé sont quand même assez folles? Parce que déjà, effectivement, ils n'ont pas du tout le même rôle sur le terrain. Mbappé, c'est quand même beaucoup plus un finisseur, le buteur. Et Grisou, c'est celui qui organise tout. Et on l'a encore vu hier, c'est un match qui ne sert à rien en Grèce. Et pourtant, il éclaire tout. Il touche un nombre de ballons incroyable. Il voit toujours ce qu'il faut faire avant tout le monde. Il est quasiment toujours juste. Et c'est absolument bluffant. Il est indispensable à cette équipe de France. Mais Mbappé aussi. Non mais bien sûr, mais Kylian Mbappé, il est plus quand même dans la finition. Il faut qu'il y ait un travail qui a été fait en amont. Alors il y a des buts qui sont que de Mbappé, et c'est vrai que l'équipe de France a tendance parfois à ne pas jouer et à se en remettre à un éclair de génie d'un joueur, mais ça c'est pas du travail collectif et c'est pas l'idée qu'on se fait d'une équipe. Griezmann, c'est la définition de l'équipe, du collectif, de faire briller ses partenaires constamment, de faire la bonne passe, d'être à disposition pour recevoir le ballon et dans la seconde, il sait très bien où est-ce qu'il va déjà le remettre. Et voilà, il est toujours juste, il est indispensable, il est précieux, il a le record de nombre de sélections de suite, il a pulvérisé le record de Patrick Vieira et c'est pas pour rien que Didier Deschamps le fait toujours entrer en jeu ou le met titulaire. Karine parle de son influence sur le terrain. Et regardez, juste derrière, ça c'est ce qu'on appelle la heat map d'Antoine Griezmann face à la Grèce pour voir qu'il a été absolument partout sur le terrain. Mais en fait, j'ai l'impression, Jérôme, qu'il y a comme une petite musique de banalisation de ce que fait Mbappé. Quand tu vois Griezmann... C'est l'inverse, je trouve. Je vais au bout, puis vous me dites pourquoi j'ai tort. OK, on fait ça. Non mais, on a un gars qui est top 3 Ballon d'Or. Il l'a été, Griezmann. Qui met 300 buts plus rapidement que Messi et Ronaldo. Qui m'a des stats avec les Bleus au-dessus de tout le monde. Et j'ai pas une ardoise, Mbappé. Expliquez-moi. Raymond, il est double. Non, mais j'ai les deux. Fait, oui. C'est quoi la première phrase que vous avez dit, Greg? La première phrase, vous vous rappelez? Bonjour. Non, après. Faut pas banaliser ce que fait Mbappé. Un carreau. Vous avez commencé l'argumentaire par ça. Ne pas banaliser ce que fait Mbappé. Bon, je trouve qu'on banalise souvent ce que fait Griezmann. Ce que fait Griezmann, c'est absolument incroyable. Et en fait, franchement, les deux sont très très bons. Ça va, c'est à la marge. Hein, moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que... Mais je me dis, est-ce qu'Mbappé n'est pas aussi bon en bleu parfois parce que Griezmann, effectivement, déclenche tout? Mais finalement, Griezmann n'est pas bon grâce à Mbappé, alors que je pense qu'Mbappé est souvent bon grâce à Griezmann. C'est pour ça que j'ai mis ça un petit là, peu. Là, sur l'année 2023, je trouve que l'influence de Griezmann... Rappelez-vous, 2016, c'est un peu son équipe de France. Oui, complètement. Hein, 2018, il est encore très bon, mais t'as l'émergence d'Mbappé qui fait qu'on parle beaucoup d'Mbappé. Et puis ce mondial-là qui vient de passer, on parle d'Mbappé parce qu'il y a la finale. Mais moi, je trouve que Griezmann, il fait une Coupe du Monde fantastique. Fantastique. Il finit meilleur buteur, Mbappé, de la Coupe du Monde. Oui, mais j'ai le droit de penser. Non, mais parce qu'il me dit c'est la finale. Mais Antoine Griezmann rate sa finale. Dans l'imaginaire collectif, c'est Mbappé de très loin parce que les buts, parce que... Mais moi, je trouve que la Coupe du Monde de Griezmann, effectivement, jusqu'en finale, elle est c'est 2022, ça. Elle est fantastique. Ouais. Ça veut dire qu'il a quand même traversé toutes ces époques-là en étant au top à chaque fois, même avec sa période noire du Barça. Pour tout ça, je dis que confirmer 2023, comme il confirme 2023, après tout ce qu'il a traversé, après son déclassement un petit peu... aussi son statut de capitana, son statut social dans le groupe. Lui, il a traversé tout ça. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un bel hommage, moi en tout cas, de lui rendre ce petit trophée de meilleur joueur 2023 des Bleus
délivré par Jérôme Alonso dans le DG. Il va lui amener à Madrid. Il lui amène, oui. Ah. Il lui amène, bien sûr. Il y a une interview et tout qui va. Comme, qui va amener un gobelet. Mais tes meilleurs joueurs 2023 sur un gobelet EDG, je pense qu'il sera prêt. Voilà. À côté de son maillot, Patrick Mahomes, il sera heureux. Attention à ce qu'il fait, c'est ne banalisons pas ça non plus. Vous avez bien raison, on a la chance d'avoir les deux. Et en plus, ils ont du caractère, parce que c'était pas évident de reprendre cette équipe de France, Alice. Ouais, des leaders incontestables de cette équipe de France après une cascade d'annonces de cadres de retraite internationale en un laps de temps très très court. Et finalement, malgré tous ces épars, eh ben on voit que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui lui est un cadre depuis, c'est vrai, un certain temps, eh ben on se prend le relais. Raymond, vous me dites les deux, Alicia, assis sur leur côté leader. Alors, il faudra voir peut-être dans une grande compétition aussi, parce que tous ceux qui ont été évoqués étaient encore là ou encore en partie là à la Coupe du Monde. On va aussi les attendre de ce côté-là. Ou est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse également, leur leadership sur cette équipe de France? C'est vrai qu'ils sont, en dehors des stats, ils sont devenus les cadres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, quand on parlait des joueurs, il y en a deux qui sont... je veux dire, indiscutable. Oui, on débat même pas. Mbappé et Griezmann sont dans l'équipe. Il n'y a pas de, il y a pas de questions à se poser. Donc, quelle que soit l'organisation, leur place, ils y sont. Ils sont au-dessus. Et c'est vrai que je suis d'accord. C'est les grandes compétitions qui font les grands joueurs. C'est dans ces moments-là qu'on les attend. On veut cette présence-là. C'est eux qui vont devoir amener, tenir l'équipe et montrer à l'Euro qu'ils sont réellement devenus les leaders et qu'ils ont remplacé. Et c'est pour ça que vous mettez les deux, parce que vous n'arrivez pas à les départager. Mais non, parce qu'ils n'ont pas le même rôle. C'est vrai, si sur le terrain. Moi, j'ai toujours ce débat-là, je l'ai avec le Ballon d'Or. Je dis, quand on dit qu'il est le meilleur joueur, ben oui, le meilleur joueur, mettez Messi dans les buts, et je vous assure qu'il ne sera pas le meilleur joueur de l'année. Oui. Mais il y a des postes. Je veux dire, à chaque fois, un défenseur, il ne sera pas jugé comme Messi ou Mbappé qui marque des buts. Donc, on ne peut pas comparer. Et on le fait pourtant. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Dire... Annuler le Ballon d'Or 2024, non, ça n'a pas de sens. Voilà. Messi et Thibaut Courtois, quand même. Non, mais que. Non, mais ce qui veut dire, c'est qu'ils se retrouvent dans le même classement. Ils sont dans le même classement. Je veux dire, comment après, on peut les comparer? Ils font le même métier, Messi, Raymond. Messi sera toujours devant Courtois. Il n'y a même pas de débat. Bah non. Pour le Ballon d'Or, toujours. Bah non. Et là, quand on dit quel est le meilleur des deux, ça ne veut rien dire. Ils sont tous les deux essentiels à l'équipe de France et on espère qu'ils seront le plus haut possible à leur rôle au mois de juin. Bah ouais. En tout cas, Mbappé et Griezmann, ils ont tous les deux battu un record ou en tout cas un vrai accomplissement cette année en 2023. Griezmann, il est toujours sur ce fameux record. 83 matchs consécutifs disputés par Antoine Griezmann en équipe de France. Karine le disait, il a pulvérisé le record de Patrick Vieira. Et puis Kylian Mbappé a seulement 24 ans. Il est déjà le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 46 réalisations. C'est énorme. Puis bientôt deuxième et sans doute bientôt premier également. C'est une question de temps. Charlotte, vous êtes défenseur. Et quand on a au milieu de terrain Antoine Griezmann et devant Mbappé, quel regard on peut avoir sur leur rôle à chacun? Et pourquoi vous me répondez Griezmann? Parce que il est plus dans le cœur du jeu? Non, parce qu'il fait tout le travail que les autres joueurs ne font pas. C'est lui qui éclaire le jeu, c'est lui qui, à un moment donné, quand l'équipe de France n'a pas forcément de solution ou est un peu endormie, c'est lui qui fait l'appel, c'est lui qui fait le tacle au bon moment. Et je trouve, dans la continuité, c'est vraiment Griezmann, son club, l'équipe de France, c'est son équipe. Et c'est ça qui l'a fait révéler aujourd'hui. Il est indispensable, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'en ai marre des stats, meilleur buteur, meilleur passeur. Moi, j'ai envie de voir d'autres statistiques, le nombre de kilomètres, le nombre de passes. Regardez un marathon. Non, c'est pas ça, mais c'est que moi, je suis défenseur, j'ai le jeu face à moi. Donc, je vois un milieu de terrain comme Antoine Griezmann et Mbappé, forcément, qui va finir des actions individuellement. Mais Griezmann, il est toujours là dans les bons coups et il est tellement important. Et quand tu es défenseur et que tu as des joueurs comme ça, surtout Antoine, bah, tu es rassuré et tu as envie de lui faire des passes dans les meilleures conditions. Voilà, et vous avez répondu également sur X Twitter. C'était le sondage du jour et vous êtes très nombreux à avoir choisi Antoine Griezmann, bien loin devant Kylian Mbappé. Vox populi, vous. Griezmann à 68%, Mbappé vient derrière à quasiment 30%. On vous a laissé la petite case autre et j'ai vu passer des Olivier Giroud dans vos commentaires. À 3%, le autre, c'est pas très élevé. Mais non, mais bon, le nom d'Olivier Giroud ressort. Vous avez bien fait de laisser le petit autre. Selon toi, qui était mieux avec l'équipe de France en 2023 entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé? On va essayer d'en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Antoine Griezmann. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, selon toi, entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui a été
le meilleur joueur de l'équipe de France en 2023? Pour répondre à cette question, je voulais d'abord faire un petit briefing. Antoine Griezmann est arrivé en équipe de France aux environs des années 2014-2015. Et lorsqu'il arrive, comme tout joueur, ce n'est pas encore un cadre, comme tout nouveau joueur qui arrive en sélection, en club, il n'est pas encore un cadre. Il commence à l'être vraiment à l'Euro 2016. C'est là où il flambe avec l'Atlético de Madrid et avec sa sélection. C'est lui qui porte quasiment l'équipe de France à l'Euro 2016. Mais sauf que, entre-temps, il y a eu un jeune prodige de Monaco qui a éclos. À l'occurrence ici, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, il a commencé à éclore surtout le match entre Monaco et Manchester City. Là où il a pris des vitesses la défense de Manchester City. Et on parle du Manchester City de Pep Guardiola. Donc ce n'est pas n'importe quelle équipe. On parle de l'équipe de Pep Guardiola. Il a fait du sale à Manchester City. Il a vraiment mis en difficulté cette équipe de City. Et du coup, c'est là où il s'est fait découvrir aux yeux de l'Europe. Je me souviens, le 4-4-2 avec Falcao et Kylian Mbappé, ça a fait des dégâts en Ligue des Champions. Cette année-là, Monaco arrive en demi-finale. Ils arrivent en demi-finale. Et lorsque Kylian a commencé à performer avec Monaco, directement, il était appelé en équipe de France. Deschamps l'appelle directement et il joue la Coupe du Monde 2018. Il joue la Coupe du Monde 2018. Et lorsqu'il joue la Coupe du Monde 2018, il flambe. J'ai le souvenir du match Argentine-France, là où Kylian Mbappé dépose vraiment Marcos Rojo, défenseur de l'Argentine. Il le prend de vitesse. Marcos Rojo est obligé de cause le pénalty. Donc, en Coupe du Monde 2018, Kylian a été un acteur majeur dans le titre. Un acteur majeur. Il a vraiment pesé sur les défenses avec sa vitesse. Et du coup, c'est à partir de cette Coupe du Monde que Kylian a commencé à prendre du poids. Il a commencé à s'instaurer petit à petit dans les têtes des observateurs du foot, et il a commencé à prendre de la place dans le cœur des Français. Et pendant ce temps, Griezmann était en train de reculer parce que son transfert aussi au Barça lui a beaucoup fait du mal. Ça lui a beaucoup fait du mal. Je pense que c'est une erreur de sa carrière. Lui-même, il le reconnaissait, vraiment une erreur de sa carrière. Il ne devait jamais aller au Barça. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. Lorsqu'il rentre donc à l'Atlético de Madrid, Diego Simeone décide de lui donner à nouveau une deuxième chance. Et Griezmann flambe à nouveau. Mais pendant ce temps, Kylian Mbappé était déjà en train de flamber avec le PSG et avec l'équipe de France. Du coup, il a commencé à marquer des buts, du sub-but. Ça démontre tous les tangibles du joueur. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Kylian, pour moi, ça a été le meilleur joueur des Bleus. Kylian a été le meilleur joueur des Bleus. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Le meilleur joueur des Bleus. Il a marqué des buts en homme. J'ai le souvenir du but contre Gilles Brata. Beaucoup vont me dire que non, c'est Gilles Brata et tout. Mais sauf que c'est un lobe. Hein. Il a marqué un lobe et ce n'est pas dans n'importe qui. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé a vraiment été le meilleur entre Antoine Griezmann et lui. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.